Voilà, donc je reprends la deuxième partie de la présentation de la méthode de classification bayésienne. Donc en fait, on a commencé à illustrer l'exemple donc un exemple composé de quatre variables explicatives, un échantillon de 14 individus et le 15e individu, c'est l'individu prévisionnel qu'on va utiliser afin de prévoir sa classe d'appartenance. Comme j'ai déjà en fait présenté, donc je cherche le Y de l'individu numéro 15. Et du fait, la première étape, c'est de chercher les tableaux de contingence. Comme en fait, on a décrit le processus suivant. Et je vous rappelle ici, en fait, qu'on arrive à identifier en fait le nombre du tableau de contingence. Il est égal au nombre de variables explicatives. Explicative, manuellement, desquelles je prends cet exemple, j'essaie de voir le tableau de contingence. Donc, normalement, je vais trouver, voilà, quatre tableaux de. Donc, je vais trouver quatre tableaux de contingence. Comme ça. Et voilà. Donc, quatre tableaux de contingence, celui-ci, donc je vais séparer. Voilà. Donc, je vais trouver un premier tableau. Un deuxième tableau. Un troisième. Et un quatrième. Et comme j'ai déjà noté que la somme ici, elle devrait être égale à 14, et la somme de chaque de la marge des lignes, en fait, les marges, c'est ici, donc j'aurai 14, hein. 14, 14, et ici 14, ici, donc je vais avoir aussi 14. Et en fait, si je prenais une valeur quelconque, et je la divise, ici je vais prendre cette valeur par exemple, et je la divise sur n. Alors, autrement, qu'est-ce que je fais? Je fais nij sur n, sur l'effectif total en fait. Ça représente quoi en fait en termes de probabilité? Et des valeurs réelles que je vais trouver. Il y a 2 sur 2 sur 14. 14. Ouais, 2 sur 14. Lesquels je la traduis, j'essaie de traduire ça en termes de probabilité. C'est quoi? En fait, roi, c'est la probabilité jointe. C'est la probabilité d'avoir X1 est égal à je. Ouais. Et Y égal à 8. C'est la probabilité jointe. On a 2 sur 14. Et c'est la probabilité d'avoir je pour X1. Allez, X2, X3 ou X4. Maintenant, vous pouvez Oui, donc écrire avec Y, maintenant prenez Y, égal à 8. Maintenant, 3 sur 14, vous pouvez d'avoir jeune et Y égal à. Non, jusque-là, le passage comme ça. Alors, et desquels je divise en fait la colonne. Sur la somme de colonnes. Qu'est-ce que je vais faire exactement? On a dit qu'un on a 2 sur 9. Ou on a par exemple 3 sur 5. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous représente en fait? 2 sur 9, on a 4 sur 9, hein? 3 sur
Je divise toute cette colonne-là. Sur 9. Je divise une colonne ride, je la divise sur. Donc on a ride sur 9. Ride sur 5. Et qu'est-ce qu'elle représente en fait? Elle est 2 sur 9. NTJ sur Hein? elle est égale à 8. Ça NTJ sur Y égale à I. Oui. donc, il y a en fait, je mets la probabilité conditionnelle. Ça y est, voilà. Et la probabilité de x1 est égale à je, sachant que y Égal à 8. est égal à 8. Ça Oui. Pardon, je vais mettre les deux probabilités conditionnelles. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle va représenter? P de X1. Jeune, grand, non, non. Donc, je dois aller P2. Voilà. P2. X1 égale jeune, sachant Y égale non. Regarde. Voilà. En fait, le. Voilà. On va le légèrement correspondant. Donc, là, je me parle à l'équipe. J'avais l'individu numéro. L'équipe d'argent, en fait. Là, je reprends l'exemple. Puisque je partais d'une femme. Une femme à la culture. Maintenant, je vais avoir l'individu une taille. Donc, moyen, moyen, oui ou bon. L'exemple là. Moyen. Donc, qu'est-ce que je vais trouver en fait? Voilà, si je reprends l'exemple. Voilà, les valeurs que je vais utiliser. Donc, je vais utiliser ces valeurs-là. Les romains, on a moyen, on a 4 sur 9, et voilà. On a le moyen, 4 sur 9, on a l'étudiant, 6 sur 9, on a les banques qui 6 sur 9. Je ferai de même. Aline, juste une phrase plus grande. Donc, ça va, je sers toi. Voilà. Donc, on a je comprends. H qui va être 4 sur 9. Pour le moyen, 4 sur 9. Pour le bon, 6 sur 9. Voilà. Je comprends que l'étudiant, 6 sur 9. Là, ça revient de même. Donc, j'aurais besoin de quoi? Un moyen là-bas. 0 sur 9. Là, 2 sur 9. Là, 4 sur 9. Là, donc, là, maintenant, quelles sont les valeurs ou pas? Les deux. On va mettre 5. Hein? Sur 5, pour le moment, sur 5, pour les sur 5. C'est donc la probabilité que je vais utiliser ensuite. Un tableau de taille. Rien les caractéristiques, on parle I15. Hein? C'est donc la capitale en croix. Ah, mais c'est bon. Voilà. La réalité, croix, en fait, X1 égale à. Égale à M. Oui. X2 égale à M. Égale à M. Pour le moment, X3 est égal à oui. Voilà. Pour le moment, X4 est égal à bon.
je vais essayer de calculer. Pardon, ma colle m'a barre, évidemment. Qu'est-ce que je vais trouver avec ça? Par final, I 15. J'ai vu le numéro, numéro 15. اللي هما هي نجم نسميها جراند اكس نتاع الانديفيدو نيميرو 15 الكاركتيرستيك الكل نتاع الانديفيدو نيميرو 15 معنى اني ريالمون كيسك جو شيرش جو شيرش لا بروبابيليتي مثلا دو اكس وهي بعد باش نستعملها في الثيوريم دو باي ساشون ايكغيك تيكالا تيكالا وي دونك قلنا ils sont indépendants là. Qui est égal à quoi? C'est égal à la probabilité de x1 est égal à m sachant y égal à est égal à où? Quoi, je n'en quoi, la probabilité de x2 c'est à quoi? Probabilité de x2 est égal à m sachant de y égal à oui. Voilà. Voilà. Probabilité de x3 est égal à quoi? X3 est égal à, est égal à oui. Sachant y égal à oui. Voilà. Fois la probabilité de traîner, fois la probabilité de crédit rating. Crédit rating égal à bon. Sachant que Y, sachant que Y égal à où? Voilà. Et je fais comme ça. Attends, maintenant, on dit déjà, on n'est pas là. Et hier, cette valeur là, oui, et cette valeur, et cette valeur, vous voyez dire la mienne, donc il y a cette valeur. Voilà. Donc ça nous donne quoi en fait? Il est un drap, on colle ce bar. Il y en a quoi? 4 sur 9. Quoi? 4 sur 9. Quoi? 6 sur 9. 3. Quoi? 6 sur 9. Hein? 6 sur 9. Quoi? 6 sur 9. Sur 9. On a fait une génome calcul. Alors, il s'agit de 9 pour la puissance 4. Hein? D'autres. Donc, je n'en ai pas 4 fois 4 fois 6 fois 6. Hein. 4 fois 4, ça donne. En fait, je prends 4 fois 4, ça donne 16. Voilà. 6 fois 6 fois 36. 36. 0,087. 0, donc, je vais vous calculer. Mais, par calcul, ça va être 0,0. 8,7. 1. Monsieur, هي الفوق 576. عملت 576 سور 0,087 87. 0,087.
هذه هي الأولى. الثانية طبعا اسمع الثانية مش ناخذ هذوما نضربهم في بعضهم ها هذه قيدوها سي بون طبعا اني جو شيرش لا بروبابيتي دو اكس ساشون يكري يقال منا ساكوز ان بتي بروبليم علاش عندنا 0 سور 5 اي خاطر عندي فما واحدة 0 ها تعطيني اذا كان باش تحسبها دونك تعمل 0 سور 5 تك تك باش تعطيني 0 الوغ سا كوز ان بروبليم يعني ها اي ستادي بروبابيليتي 0 نو فوالا دونك منا جو دوا لا مودي جو دوا لا مودي جو نعمل موديفيكاسيون اون دي دو بلوس ا باش نولي عندي A sur quelque chose. Voilà. Donc là, ça change sur les angles. En fait, il est qu'un zip de unité d'un. Ça me donne combien? Parce qu'il y a zip plus 1. Voilà. Donc. Donc, vous aurez l'une option de plus 1. Ou l'une. Ou une autre. Ou une autre. Ou une autre. Option de plus 1. Ou l'une option de plus 1. Allez, j'ai dit du col du col. 3. Hein? Le 3. Donc, on a en fait 1 sur combien? 5 plus 3, c'est quoi les rangs 3 sur 5, 3 sur 5. Elle dit une zide à plus 3 à l'autre. Elle dit pour le col. Zide à l'un, pourquoi elle a l'air à l'alcool Zide à un four. Un four, ok. On zide 3 à l'un. On a plus 3. Voilà. Juste une vérifie. Une vérifie la procédure. C'est une règle, ça m'a la règle de la place. Hein. C'est pas barca. Allez, je vérifie avec vous. Donc, on a essayé de voir. Ajouter 1 à chaque cas. Ah voilà, c'est ça. Moi, il y a 0 sur 1000 là. Vous êtes 1 là. Vous êtes 1. Donc, à ma tête, vous êtes en fait les autres modalités. Maintenant, là, réellement, ce que je vais faire, je vais faire le tableau. Maintenant, on a un des tableaux à l'air. En fait, moi, on dit 0 là. Je suis en train de 1 sur 8. On est à droite, on est en train de faire ça. Je vais faire ça. Ah, on a déjà l'air. هذا ما يقعدوا كيما هما هذا ما يقعدوا كيما هما باش نزيد بلوس 1 هذه باش نمشي تولي نزيدها بلوس 1 دونك قلنا هذه تولي 1 سور واللوطا قداش عندي من موداليتي لنا دونك تولي 1 سور 8 ولنا تولي 3 سور 8 ولا في تو تولي عندي 4 سور 8 مي مسيو في التوتال مش باش تجينا مريقلة لا هي هي ابروبري تجيها قريبة شوية هي ابروكسيماتيف مريقلة ابروكسيماتيف هنايا باش تعطيك 15 ومن غاد 17 يظهر لي اسمعني تعرف اش عملت لما انا خديت الموداليتي هذوما ولا زد بلس ا آه لما زد بلس ا آه. زد بلس ا آه. قداش ولا عندي؟ مو عندي 5 ولا لما
كلهم باش ياخذوا بلس 1 الكل باش ياخذوا بلس 1 وزدت بلس 1 بلس 1 بلس 1 توتال قداش ولا وي وي ولا اي 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 فوالا دونك اني حاجتي كان بهادي برا ما يهمنيش هذا ما معنى اني هذو نستعملهم كيف عندي دوتر انديفيدو ما عنديش اني اون فيت دونك شنو شو اللي ما عادش نستعمل البروبابيليتي القديمه نستعمل 4 سور 8 1 سور 8 و 3 سور 8 دونك لنا Qu'est-ce que je vais avoir 1 sur 8 fois quoi Les débat à Patèche 2 sur 8. Ben, 2 sur 5. Je vais prendre le premier source. Alors. Ah. Attends, ma source. Alors. Je vais prendre le premier. 2 sur 5. Le bas. 1 sur 5. 2 sur 5. 1 sur 5. Pour l'autre là. 2 sur 2 sur 5. 2 sur 5. Qu'est-ce que tu as la valeur? Il y a 4. Ça se trouve, c'est pas du statut. Alors, on a 125. Je vais avoir mon dos 3 ou 8. Sur 1000, t'as pris, là. Sur 1000. 0,4. 0,4. Qu'est-ce qu'il y a de là? 0004 بس يا اخي احنا بالليل لحظه تو نورمالمون على اساس حكايه التوتال هنا كيفاش كولون باش تاخذ 8 والاخرين باش ياخذوا 5 وفي التوتال معناها اللي حاطينه احنا حاطين 5 هي جوست هي ترانسفورماسيون تما ترانسفورماسيون دو لا بلاس حاجه كيما هكا اني خاطر اللي كان هذوما سيبوزون هذوما 4 سور 5 4 سور 5 4 سور 5 وهذه جاتني 0 سور 5 اسكو با بيناليزي سي بروبابيليتي بارابور على هذه 0 سور 5 فقط البروبابيليتي فينال يقال زيرو صحيح ولا؟ ايه عبارة اني عطيت فيناليتي خاطر الاخرين اللي فاريبل الاخرين عبارة ما عندكمش قيمة لان كون خاطر فما البروبابيليتي يقال زيرو شنو الحل؟ برمي لي سوليسيون نزيد بلس ان في البروبابيليتي نتاع الفاريبل هذيك مش في الاخرين ونقسم على على اللي زدتو نقسم على 5 ونزيدوا 3 فالور اللي زدتهم هذا حل ابروكسيماتيف نستعملو باهي بور ايفيتي لو زيرو باهي دونك قداش كانت زيرو بربل دوبل زيرو دوبل زيرو كانت باهي دونك شنو طلعت انا فوالا انا اكس شون ايكغ ايكال وي سوبيريور الاخرى اسمعني دونك انا نجم نفسر هذا كتبتو خلنا نكتب اي سي بون لي فالور هذوما خذوهم 0,047 ou voilà. Donc, et qu'est-ce que je vais comparer en fait? Et je m'en dis, je cherche à comparer, je cherche à calculer sa probabilité que Y égale à 8, sachant le X en taille, c'est égal à l'individu numéro 15. Numéro 15. Allez, je vais la comparaison marche pour. نعمل الكومباريزون دي اكس ايجال نو مع البروبابيلتي عرفت تكتب على الوقت بروبابيلتي دو اي دو اكس ايجال نو ساشون ساشون اكس ايجال ساشون كو اكس ات ايجال لاندفيدو نيميرو نيميرو 5 اسمع تو واش قلنا احنا قلنا هذا ايجال هي دي اللي كنا نقلبها اون تيرم ابريوري و بوستيريوري هي تيجال بروبيتي كل اكس دو اكس ايكال اي 15 ساشان ايكغ ايكال 8 ساشان ايكغ اللي كلكناها تو ايكغ ايكال 8 وي وي بي دو ايكغ ايكال 8 و بي دو ايكغ ايكال Oui. Sur P de X. Divisé sur P de P de X. Et voilà. P de X. Ouais. Vous voyez, il y a une autre qui est en mode Helena. Bon, je vais refaire le même travail. Ben, on va choisir Y égale à 9.
On a toujours pas fini. P de x sachant y également fois la probabilité de y égale à non sur quoi divisé sur P2 P2X. D'accord, voilà. Mais là, maintenant, je me parle à P2X. Hein. Parce que c'est en comparaison, on y a là. Et des P2X, et. Aïe, aïe. Je me parle à juste quelques le prix, voilà. Donc, je me parle, égal à quoi? Alors, maman, on y a là. Quand est-ce que P2Y égale à 8? 9 sur 14. Oui, monsieur. Ah, le P2Y égale à non. 5 sur 14. 5. Ah, 5 sur. Voilà, 5 sur 14. Et le fait là, franchement. 5 sur 14. Donc, il y a une générale, on va dire, je suis en train de faire des problèmes. Pas de statine. Ah, statine est là, il y a des pâtés. 0, 0. عطيني الاولى تاع 0.87 0.027 و en fait plus égal 9 sur 14 قداش 0.64 0.19 9 sur 14 9 على 14 0.64 اه 0 عطيتني final انت 0.19 Mais qu'est-ce que c'est 0,055568. 5568. 5568. Oui. Mais, vous voulez me dire, vous sachant que y égale à non, a-t-il une valeur 0,004. Ah, 0,04. Double 0,004. Ah, double 0,004. Pourquoi quoi en fait, c'est-à-dire pendant 5 sur 14, 0,36. Hein? 0,36. Qu'est-ce que c'est 0,0014. 0,0 14. Et quand je cherche à comparer ces deux valeurs là, voilà. Oui. D'accord. C'est bon. Donc une conclusion tard. Donc je vais conclure que l'individu numéro il va appartenir à la classe numéro Y égale à 8. Dans la classe, on parle de Y égale à 8. Et de cette façon, on arrive à faire le calcul convenablement. C'est bon, là, que je te donne oui. Oui, monsieur. C'est bon. Oui, monsieur. Donc là, on a le calcul, donc avec, il n'est plus qu'à plus qu'à manière directe créée. Ça prend des solutions, on marche sur les valeurs. On a le calcul que je dois faire en fait, pour faire la comparaison. Je n'ai pas besoin de calculer P de X. Ça sera simplifié, il fait la comparaison. Vers choix. Oui. Voilà. Mais. Donc, il y a calcul en capto, si on fait les valeurs au l'air. En capto, donc voilà, il y a un petit peu. Comment éviter le problème de probabilité égale à 0? On est smart, on est choix. Donc, on voit, après, cette méthode nécessite que toutes les probabilités conditionnelles doivent être différentes de 0. Sinon, la probabilité à prévoir sera égale à 0. Égal à 0.
Donc, parmi les solutions, on suppose une base de données contenant 1000 états d'observation, on trouve un revenu, par exemple, 0. Voilà. Mais il suffit que nous plus 1, plus 1, plus 1, plus 1 pour éviter le problème de. Et ça manipule la correction de la place. Donc, un temps de 1 sur 5. Quand déjà, on dit une modalité, je me dis. On dit trois modalités. Donc, réellement, on dit plus 3 à l'autre, plus alpha. C'est-à-dire, ça reste approximatif. La correction est dite. Mais je fais une valeur, je fais une chose prime. On dit probité, on va faire le bas. La probabilité corrigée se rapproche du voisinage de la probabilité réelle. Et du fait, le changement de code. L'avantage de cette méthode, voyez, ça est simple à implémenter, ça a de bons résultats dans la majorité des cas. Parmi les désavantages, c'est poser l'indépendance entre les variables, résulte la diminution de degré de précision de résultat de cette méthode. Qu'est-ce que c'est? La dépendance existe réellement entre les variables. Mais réellement, on a déjà changé Madame H, c'est une des indicateurs. Parfois, comme ma dépendance, on a déjà changé les fonds indépendants. Par exemple, les patients ayant des symptômes tels que fièvre ou diabétique ou des maladies héréditaires, et là, je me connais automatiquement, et dès qu'on a un de Srana, à ce moment-là, je suis un de Gah. Et voilà. Donc, dès qu'on a un diabétique ou un de Srana, c'est sûr que je suis un autre indicateur. On a une femme à dépendance, ma belle variable. Qui marquait les symptômes de la corona, de la COVID-19. Il est qu'un yatas, ou un de Srana, pour le degré tel, ou un de comme d'autres indicateurs. C'est sûr que le fait qu'on a un de. On se pose l'indépendance en tabelle. Donc, ça peut viser le résultat. L'hypothèse d'indépendance, ça peut bien viser le résultat. Management central, on a un résultat compatible. Yann, est-ce que femme a des questions? Non. Donc, le hal, femme a modèle, c'est le réseau bayésien. Le modèle, c'est les réseaux bayésiens sont recommandés aux clients d'Anna. On tient compte, on cherche à tenir compte de l'indépendance. Donc, on choisit le modèle plus sophistiqué, notamment les réseaux bayésiens. Donc, méthode heavy, efficace, rapide. Notamment, l'indépendance, elle est je dis, résultat fiable. Le modèle à l'AM, il suppose toute l'indépendance alors que la priorité n'est pas à 100%. Donc, je fais un cas qualitatif. Donc, on doit chauffer un cas quantitatif. Je ne sais pas si le modèle bayésien, le classificateur bayésien, dans un contexte quantitatif. Est-ce que femme a des questions à la méthode, à la, comment peut-on l'appliquer? Non, ça m'a chargé, donc je peux vous répondre dedans. Non, monsieur, ça va, ça va. Comme toi, Amiha. Oui. Monsieur? Oui. T'as parlé de la PDF, ta partie Hedi? T'as pas fait quelques modifications, on va faire le code. On va faire le code.
D'accord. كما نطقوا فرد مره فهمت خاطر عندي فما ساعات لي مون اونغلي ساعات لي نبدا نخدم حاجه اونغلي وفرنسي نبعث لكم شنو قداش الكور ماشي ديال مال اورغانيزي كما قلت D'accord. غدوة على الدرس نعطيكم الفيرسيون بون مسيو حتى باللونجلي ما يقلقنيش خاطر ندرسنا فما دي ماتيير فيهم لا ما ديرونش با انا يعني ساعات كي نبدا نخدم ساعات ننسى تيتر اون اونجلي كما كلمنا سي تيتر نايت بايس كلاسيفايد فهمت فانا غادي ديما جارمونيز لو كونتوني ما نحبش تخلي حاجات من نوع من فهمت ما جوست نعاود نعمل لكتور ونرجعو كله فرونسي هو توا فما دو مور ترونا مش برشا راهو اونجلي اي دونك غدوة نعاود نرجع نعطيكم الدوكيمنت ماشي حاجة juste la façon de travailler. Ben, très ma belle PowerPoint. Ne faites pas comme PowerPoint. Ben, ça va. Donc, on est stepping. Monsieur, ben, à ma mère, qui t'a dit? Marat Chnoa? Qui t'a dit? Ça, ma belle, il est si pas fou que bas. Le hasard, mais je suis loin de rien. اي بون انا خاطر يا فيان تابلو يا فيان تابلو خاطر خذيت منه دي فالور انا جوري دو مثلا متر نحط انتقاس اما اي المره الجايه نحط انتقاس بيل ونكتب عليها خاطر في باليش انا باش نخدم على الاخر فوالا سي بون هاي باش تقعد عندنا دقيقه دونك باش تقص علينا غدوه الوقت